Aujourd'hui, on va voir euh, une autre application de la gamma convergence. On a, défini, on a donné la définition, les premières propriétés de la gamma convergence. On a vu une, application, une première application qui est l'homogénéisation. Aujourd'hui, aujourd on va voir une deuxième application qui est la transition des phases. Euh, je vous rappelle euh, un peu le, le cadre. Alors, on a un conteneur euh, oméga. Et on a deux fluides. Euh, deux fluides, euh, fluide 1 et fluide 2, qui sont versés dans le conteneur oméga. Et euh, on peut denoter euh, avec euh, U par oméga à valeur euh, dans euh, 0, 1 la concentration des deux fluides, dans le sens que euh, U est soit 0, soit 1. Donc, euh, où euh, U est égal à 1, on a le premier euh, liquide, et où U est égal à 0, on a le deuxième liquide. Les deux liquides sont, euh, euh, il y a un contrainte des de volumes, sont incomprimibles. Et euh, pour imposer ça, ça euh, j'impose que, l'intégrale de U sur oméga fait 0. Et alors, euh, la, euh, à l'équilibre, euh, donner euh, un conteneur et de liquide comme ça, à l'équilibre, excusez-moi, euh, euh, ça c'est pas 0, c'est m, c'est un volume strictement positif. Et alors, à l'équilibre, la, la, la configuration de, de fluide minimise la, la fonctionnelle suivante, une constante fixée c fois la mesure de l'ensemble su où euh, U est une fonction comme ça, donc euh, de oméga 0,1 avec euh, le contraint de volume, et SU et l'ensemble des points X de ω tel que U est discontinu en X. Alors, on va considérer le cas un dimensionnel. Donc, aujourd'hui, on va considérer le cas n égal à 1. Donc, euh, en particulier, ω sera un intervalle AB et la, la fonctionnelle euh, qui apparaît ici, on l'appelle f de u, sera de la forme constante fois le nombre, qui est maintenant un nombre qui, je suppose, fini, de euh, discontinuité de U. Et alors euh, j'ai dit que ça c'est la théorie classique qui nous dit que la, la configuration des deux liquides euh, peut être euh, obtenue en minimisant cette fonctionnelle. Mais il y a une, une autre formulation qui est la suivante. Donc je peux définir une autre fonctionnelle qui s'appelle FjBU. Et euh, ça est l'intégrale entre a et b de euh, 1 sur epsilon j w de u plus epsilon u prime carré de t. Où euh, epsilon j est un, paramè est un paramètre. Positive petit, et euh, U est une fonction W en 2 de l'intervalle. Donc, euh, on a vu, on a défini hier les, les fonctions Sobolev W en deux donc en particulier, euh, la dérivée ici euh, a un sens, et je peux prendre le carré. L'intégrale de la dérivée prime au carré est bien définie et l'intégrale est finie. Euh, alors, W, qu'est-ce que c'est W W est, est une fonction continue à euh, double puits. Double pui. Donc, euh, sur W, je peux prendre des, des conditions générales, mais en fait, on, on, on pensera à une fonction W spécifique pour, pour simplifier les, les choses. W peut être choisi continue, euh, positif, et tel que W. Euh, l'ensemble des, des, des zéros de W est donné par deux points qui sont 0 et 1. Ça signifie que la fonction w ici et, et peut être pensée comme une fonction avec deux puits et les deux puits sont 0 et 1. Ok, euh, un exemple, euh, on peut penser à W, W de U comme U carré fois 1 moins U carré. Ok, alors maintenant, on va. Euh, donc, alors, euh, d'abord, pourquoi on considère euh, une euh, fonctionnelle comme ça euh, pourquoi on s'attend que euh, fj euh, convergera vers f On va démontrer ça. On va démontrer que fj euh, va converger vers f euh, en gamma convergence. Mais pourquoi on peut s'attendre ça L'idée est que euh, on a deux termes dans cette fonctionnelle. La euh, première terme, ici, est de la forme 1 sur epsilon J fois w. Donc euh, l'idée est que ça, w sur epsilon j borné implique sur une certaine uj, implique que w uj est plus petit que une constante fois epsilon j donc ça euh, sera proche de zéro et donc ça forcera uj à être en des puits de w donc soit 0 soit 1 donc l'idée ici est que euh, dans la plupart du domaine, je vais approcher les valeurs 1 ou euh, 0. Mais euh, je ne peux pas m'attendre qu'une euh, que que fonction U dans cette intégrale soit discontinue parce que je considère ici la dérivée. Et donc l'idée est que le comportement de Uj, de Uj sera à peu près le comportement d'une fonction U ici, mais avec... Euh, une, euh, une régularisation au bord. Donc, à la place de prendre des fonctions discontinues avec deux valeurs 0, 1, on va considérer des fonctions mm, qui, moralement, seront des fonctions 0, 1 sur la plupart du domaine, mais avec des transitions, des transitions de phase dans des zones, des domaines plutôt, plutôt fins. Ok, donc ça c'est heuristique, c'est l'idée du problème. On va formaliser tout ça. Mais pour faire ça, la première chose à observer est qu'on euh, on, on veut démontrer un théorème du type Fj, gamma converge vers F. Mais euh, la première chose à, à dire est que, quel est l'espace métrique x qu'on considère. Parce qu'en général, on a parlé des gamma convergence pour des fonctionnels qui sont définis sur le même espace. Ici, on a que euh, fj est défini sur des fonctions euh, régulières, mais f est défini sur des fonctions euh, à, constantes par morceau avec deux, deux morceaux de constantes. Et donc, ce n'est pas le même espace. Alors, l'idée dans ce cas est de, de choisir l'espace euh, en, en considérant, en tenant en compte quelle sera l'équicursivité dont on aura besoin. Et, et dans ce cas, je vous dis, euh, à partir de maintenant, après, après la démonstration des gammes à convergence, on va voir pourquoi c'est un, un bon choix. C'est un bon choix. L'espace ici sera un espace plus grand qui contient soit les fonctions w1, 2, soit les fonctions discontinues. Et en particulier, notre espace sera l'espace L1, AB. Et la métrique sera la métrique strong, L1. Et je vous dirai après pourquoi ça, c'est le, le choix naturel. Alors, euh, donc, euh, avant de, de commencer, alors on peut écrire le théorème proprement. Donc, je prends la fonctionnelle, je prends, euh, ok, fj de u définie comme la fonctionnelle que j'ai ici, intégrale de 1 sur epsilon j w de u plat plus epsilon j u prime carré si euh, u est w en 2 et ici je dois mettre quelque chose hors de, euh, w en 2 et je mets plus infini. Ici, je devrais mettre aussi le contraint de, de volume, mais je préfère faire la démonstration sans le contraint de volume. Et après, en fait, la démonstration peut être un peu modifiée en rajoutant ici le fait que l'intégrale euh, entre A et B de U est égale à M. Donc, ça, en fait, c'est un contraint pour donner euh, de la compacité pas triviale. Donc,. Euh, euh, si vous mettez rien, vous pouvez minimiser ça avec 0. Donc euh, vous pouvez prendre U égale à 0 partout ou euh, U égale à 1 partout et le minimum de ça est 0. Et donc ce n'est pas intéressant. Et même pour la mesure, euh, pour minimiser F, si vous mettez rien, si vous mettez aucun contraint de volume, euh, le minimum de, de ça est 0. Vous pouvez prendre U égale à 0, U égale à 1. Donc, euh, euh, un liquide seulement, et vous avez que le minimum est zéro. Et il faut imposer quelque chose, et uh, par, exemple, par exemple, on peut imposer que les deux liquides sont incomprimibles, et donc on peut mettre un, un contrainte de volume. Mais ça, c'est important pour uh, la convergence des minimums. Pour la gamma convergence, on peut démontrer la gamma convergence en oubliant ça, et après, on peut redémontrer la gamma convergence en considérant, en imposant aussi le contrainte de volume. Alors, donc, je retire ça. Je considère f de u comme d'abord comme euh, c. Cette fois j'ai créé CW parce que C est une constante qui vient, qui est liée à, à la définition de W, à la, au choix de W, fois le nombre de discontinuités de U. Si U est une fonction des. AB avec euh, valeur dans 0,1 et si le nombre de discontinuités est fini. Et si le nombre de discontinuités est plus infini ou si je n'ai pas une fonction euh, de ce type, mais j'ai une fonction dans L1, je mets plus infini. Je mets plus en fini parce que euh, ça ne change pas la semi-continuité. Donc euh, si j'ai un fonctionnel qui est semi-continu sur un certain espace et je mets plus en fini hors de cet espace, la semi-continuité reste. Donc ça c'est un choix naturel. OK. Alors le théorème maintenant est que Fj gamma converge par rapport à la... Euh Convergence euh, forte L1 vers F. Et je n'ai pas euh, défini CW. CW est une constante, je dis, qui dépend des de W. Et elle est définie comme ça, comme la racine des W de, T, de T. Peut-être qu'il y en a un deux ici. Oui, deux fois. Ok, alors, donc on va voir la démonstration de ça pour, euh, pour avoir une idée de comment utiliser les deux propriétés des de gamma-convergence, comment démontrer les deux propriétés des gamma-convergence. Alors, donc, euh, preuve, on sait qu'il faut démontrer, pour démontrer la gamma-convergence, il faut démontrer deux, euh, deux bornes, deux inégalités. La première inégalité est l'inégalité euh, inférieur, donc, donc euh, borne inférieure. Je vous rappelle qu'il faut démontrer que pour toute U dans L1 et pour toute UJ qui converge vers U fortement L1, il faut démontrer que f du est plus petit que la limanfe j fj uj. Ça, c'est la borne inférieure. Alors, comment on peut démontrer ça La première chose à observer est que si euh, cette limanfe est plus infinie, il n'y a rien à démontrer parce que euh, on a que, euh, que quelque chose est plus petit et plus infini, donc c'est vrai. Donc, euh, pas restrictif de supposer que l'aliment de FJ UJ soit fini. E se la F de SA est fini, on peut passer à un suite et supposer che la limite de, de la sous-suite soit finie. Donc euh, on peut passer à un sous-suite K, jk JK tel che euh, la, la, la limite coincide avec la Et alors, si je sais que j'ai une suite telle que la est finie, cette suite est bornée. Donc, ça implique que l'énergie fjk ou jk est plus petite d'une certaine constante m pour tout k. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire alors si la Fj, euh, de, euh, FJK UJK est bornée? Si ça est borné, ça veut dire uh, qu'on est dans la première ligne de la définition de FJ. Donc ça veut dire uh, que l'énergie, cette énergie est bornée. Et donc en particulier on a que euh, euh, 1 sur epsilon J W de Uj intégrale AB. Est plus petit que m. Et euh, donc, comme je, je disais au début, ça implique en particulier que l'intégrale de W Uj tombe vers 0. W est positif, donc ça signifie que la suite WUJ tombe vers 0 L1. Et alors, ça implique que, euh, OK, UJ, ça c'est toujours euh, K. Alors, ça implique, euh, à sous-suite près, je ne vais pas euh, euh, changer le nom de, de, de la sous-suite pour, pour ne, ne pas charger la notation. Donc, euh, à sous-suite près, on a que W, UJK tombe vers 0 presque partout. Mais euh, je me souviens que U, Uj tombe vers U euh, fortement L1, à sous suite près presque partout. W continue, donc euh, ça implique que WUJK converge vers W de U presque partout, et donc que la limite est zéro. En particulier, ça implique que la limite U est euh, dans un puits de W, c'est-à-dire ça, ça implique que U dx est euh, soit 0, soit 1. En particulier, on a que U est une fonction caractéristique, U est, est une fonction de, de la première ligne de, de FDU. De Donc on est dans, dans le bon espace. Maintenant, il faut démontrer que euh, le nombre de discontinuités de U est fini, parce qu'on n'est pas sûr, a priori, que le nombre de discontinuités de U euh, soit fini, et que l'inégalité la, la, de, de, de l'imamf est vraie, est satisfaite. Donc, euh, de quelque façon, il faut compter les transitions. Alors, comment on peut faire ça Alors, d'abord, euh, avant de faire ça, on observe une première euh, remarque qu'est ce qu'on peut dire sur, euh, sur sur à partir du fait que l'énergie est bornée alors puisque l'énergie est bornée j'écris à nouveau l'énergie intégrale 1 sur epsilogica w plus epsilon jk u prime jk. Euh, on prend, on fait cet argument pour euh, toutes, euh, on prend deux à euh, intervalle quelconque st dans ab, quelconque. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici Ici, on peut utiliser une égalité très simple qui est l'inégalité de Cauchy ou Yang ou simplement observer que x carré plus y carré est plus grand que 2xy. Et donc on regarde ça comme x carré, ça comme y carré, on obtient que ça est plus grand que l'intégrale entre a et b de 1 sur racine epsilon jk racine w jk U' prime jk racine de y -jk, et epsilon Jk est disparu donc ça Dt. donc on a balancé les deux termes les deux, les deux termes ça et la motivation en fait parce qu'on prend ce scaling, euh, parce que je prends 1 sur epsilon et epsilon ici, parce que euh, je veux euh, préférer les configurations proches des, zéro, des 0 et 1, mais je veux euh, pénaliser les, les, les discontinuités, je veux pénaliser les transitions trop, trop rapides. Et je, je veux faire, je veux balancer les deux termes de façon euh, identique, donc euh, avec la, la même rapidité. Et donc, je prends le même epsilon ici, et quand j'applique Cauchy, j'obtiens ça. Bon, alors, ça est plus grand que euh, la valeur absolue de l'intégrale. Ça, j'ai mis AB, mais c'est ST. <coughs> l'intégrale ST de ça de racines W, U, J, K, U', J, K. Et alors, euh, tout ça sera bien, bien défini dans W en deux, mais... Peut-être pour faire euh, tous les calculs, il faut connaître un peu, un peu plus des de théories des de, de, de espaces de Sobolev. En, en tout cas, vous pouvez penser Ujk c1. Donc, euh, si vous avez des doutes sur le fait que quelque que chose soit bien défini, vous pensez Ujk comme une fonction c1. Ça, c'est la même chose. Alors, maintenant, pour, pour avancer, je définis une fonction grand G de S, comme la primitive de ça, c'est-à-dire l'intégrale entre 0 et s de racines des w de de, de de r de r. Et alors, ça, on peut le voir comme la valeur absolue de l'intégrale entre s et t de quoi? De g de ujk prime de t. Quand je, fais, quand je fais la dérivée, je trouve g prime euh, ujk et g prime est exactement la racine de ça, fois la dérivée de ujk, qui est ici. Mais alors, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, si on a ça, <coughs> on peut dire que ça, c'est la valeur absolue des théorèmes fondamentaux du calcul intégral. Ça, c'est G de UJK de T moins G UJKS. Oui donc en particulier je trouve euh, intégrale entre u valeur absolue u J, K, de s je ne sais pas l'ordre entre les deux donc je, mets, euh, je tiens la valeur absolue u jk de t racine de w de t OK donc euh, cette estimation est vraie si je prends s et t Quelconque dans AB. Maintenant, il faut compter les transitions. Il faut utiliser cette estimation pour estimer les transitions. Quelle est l'idée L'idée est que je sais que U est une fonction discontinue. Alors, si elle est discontinue et elle a au moins une discontinuité, ça c'est U, l'idée est qu'il y aura au moins un point ici et un point ici c'est-à-dire un point où la fonction est 0 et un point où la fonction est 1. Et je, je trouverai un point proche où la UJ, ce n'est pas 0, mais ça sera proche des 0, ça sera UJ ici, et je trouverai un point où UJ est ici. Et alors, si je veux prendre ces deux, ces deux points comme S et comme T, C'est la UJDS UJDT. L'idée est que euh, toutes les fois que j'intègre, je, 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 je prends l'énergie sur un, inter, un intervalle qui contient euh, une discontinuité, je veux compter une transition, je veux compter une quantité ici qui est une quantité euh, non zéro parce que ça sera proche de 1, ça sera proche de 0, et donc ça sera une quantité euh, strictement positive. Euh, ici, j'ai oublié un, un coefficient, donc ça c'est, il y a un 2, un 2 partout. Ça, il y a un 2, et ici, il y a un 2. Ok, donc ça euh, est l'idée de ce, ce qu'on va faire. Faisons-le. Alors, je fais le calcul pour un point, donc euh, soit euh, t bar un point de SU. Bien sûr, euh, si SU, l'ensemble de discontinuité de U est vide, alors euh, on n'a rien à démontrer parce que F est 0, grand F est 0, donc on n'a rien à démontrer. Donc on suppose que grand SU n'est euh, pas vide et donc qu'il y a au moins un point à l'intérieur. Ça signifie qu'il y a deux points, euh, je l'appelle A moins et A, tel que, comme, comme ici, A moins est plus petit que T bar plus petit que A, et tel que euh, U de A moins fait 0. Ok, euh, pas, bien sûr, ce n'est pas dit qu'on a euh, cet ordre, c'est-à-dire que euh, ça ne change rien si à la place de U de A moins euh, égal à 0, je mets 1 ici et 0 de l'autre côté. C'est un choix, je peux refaire la même chose. Donc, euh, je, je suppose que U de A moins de 0 soit, soit égal à 0 et que U plus A plus soit à 0 égale à 1. Alors, maintenant, on a que, euh, je me rappelle que UJK converge presque partout vers U, et donc, je peux euh, supposer aussi que UJK de A- converge vers U A- c'est-à-dire 0, et que ujk a plus converge vers u a plus, qui est 1. Ok. Et alors, une fois qu'on a ça, on peut utiliser exactement cette estimation avec a moins et a plus à la place de s et t, et donc, on, a, on obtient que, j'appelle ça, ça, par ça, étoile, on a que M est grand M est plus grand que la valeur absolue des deux fois intégrale entre UJK moins et UjK a plus de W dt ok je peux je mets pas la, la variable dt et je sais que si je passe à la limite ça tend, euh, puisque j'ai cette convergence ça tend vers deux fois l'intégrale entre euh, 0 et 1 de ça, qui est exactement Cw, W, la constante que j'avais définie au début. OK. Donc euh, ça est vrai une fois euh, qu'on a une discontinuité. Donc si j'ai une discontinuité, je peux compter la transition autour de la discontinuité. Et euh, j'ai euh, j'obtiens une constante fixée qui est Cw. Qu'est-ce qui se passe si j'ai plusieurs discontinuités Donc, je suppose maintenant d'avoir t bar 1, t bar grand N dans SU avec grand N en nombre naturel, quelconque. Alors, si j'ai ça je peux refaire exactement le même argument euh, autour de chaque discontinuité. Donc, euh, si, ça signifie que j'ai une fonction U qui est comme ça. Donc, ça c'est t bar 1, t bar 2, t bar 3, t bar 4. Ça c'est U. Et donc, ce que je fais est de de, de prendre, de compter la, la transition ici avec chaque fois la même constante. Parce que ici, euh, à la place, si j'ai euh, N, N discontinuité, je peux toujours supposer que, il, que les deux intervalles, euh, les, les intervalles euh, A moins I, A +I euh, soient, euh, à plus I soient disjoints. C'est-à-dire, je prends des petits intervalles autour de chaque point, et donc je pourrais faire le même argument dans chaque intervalle et, et la somme des intégrales est plus petite que l'intégrale complète sur ab. Donc ça me donne m grand m plus grand que c w fois grand n, qui est la somme de, de ces contributions. Mais alors, ça signifie que grand N, qui est le nombre, un nombre quelconque de discontinuités dans grand SU, ne peut pas être infini. Parce que j'ai toujours une borne comme ça, avec une constante grand M fixée au début. Donc, ça implique que euh, la, le nombre de discontinuités de SU est fini. Et que je suis vraiment dans la première ligne. De, 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 de la définition de grand défaut. En plus, j'ai démontré l'inégalité, j'ai démontré l'inégalité du inférieur parce que simplement je, ici j'ai utilisé j'ai pris euh, ce que je l'ai écrit ici, ce que j'ai démontré est que euh, f JK u j, K est plus grand que, euh, oui, il y a euh, un, un, une erreur à considérer, mais ça est petit. Euh, donc, ça est plus grand que w fois le nombre des discontinuités de Su plus une erreur petite du type εj. Euh, Et donc, euh, si je passe à la limite. Disparaît, euh, la limite a été prise euh, de façon che euh, coincide avec l'aliminf de, la, de la suite entière et donc j'ai démontré complètement la, la, la borne inférieure. Ok? Alors, ce qui reste à faire est démontrer la borne supérieure. Donc, maintenant on a, on a démontré que pour toute suite la La, la grande F est, est, une, est un bon candidat parce qu'il est en, euh, une borne inférieure. Il faut démontrer que, le borne, que la borne euh, soit optimale. Et pour ça, il faut démontrer l'inégalité du gamma lim, lim, lim sup, donc l'inégalité euh, supérieure. Alors, donc, il faut démontrer que pour toute U. Dans l1, il existe une suite uj qui converge vers u l1 telle que la lim sup de fj uj est plus petite que f. Allora, euh, il faut construire une, une recovery sequence, il faut construire une suite ottimale. Comment on peut construire ça? Allora, tout d'abord, on observe che se F è plus infini, on abbiamo rien à démontrer. Plus infini est toujours plus grand che qu nombre quelconque. Donc, Quindi, euh, n'est pas restrictif de supposer F Fini. Et donc, euh, on est dans la première ligne de grand F, ça signifie que U est une fonction constante par morceau, est une fonction caractéristique, et en plus qu'il a euh, un nombre fini de discontinuités. Donc, euh, on a que U est une fonction de AB dans 0,1 et que le nombre de discontinuités de U est fini. Il faut construire une, une suite qui approche U et tel on a cette, cette estimation. Donc l'idée, euh, à nouveau l'idée est que si j'ai une fonction U comme ça, 0, 1, 0, 1, comme ça, avec un nombre fini, de discontinuité. L'idée est que je veux construire uj de façon que ça soit une, une, une transition, une bonne transition, donc euh, qui soit une approximation de uj dans le sens que euh, ça ça rend les, les discontinuités euh, régulières. Mais euh, je dois prendre cette transition de façon que j'ai encore la, la, le contrôle avec euh, grand F. Alors, comment on va faire ça Donc, ça c'était U et ça c'est l'idée pour, pour UJ. Alors, en général, l'idée de la gamme lim soup euh, pour démontrer la gamme lim l'idée est d'aller regarder la gamme lim et aller voir où est-ce qu'on euh, a perdu quelque chose. Parce que, euh, bien sûr, toutes les suites sont telles que la lim est plus grande que grand F. Je veux en trouver un, une suite, euh, telle que j'ai aussi l'autre inégalité. C'est-à-dire, je veux trouver une suite telle que la limite converge. Donc, euh, de quelque façon, euh, l'inégalité doit pas être une vraie, une, une vraie inégalité. Je veux une égalité. Donc, euh, je vais voir où est-ce que j'ai perdu quelque chose et je vois si je peux optimiser cette inégalité. Alors, l'unique estimation que je fais est l'estimation étoile, c'est-à-dire c'est là Où est-ce que j'ai vraiment perdu quelque chose? Alors, si vous allez regarder tout ça, l'unique point où effectivement j'ai perdu quelque chose est ici. C'est-à-dire. Uh, ok, ici je, me suis, je considérais que les intervalles de discontinuité, mais en fait c'est ce que je veux faire. Je veux faire les, compter les transitions uh, proches des discontinuités. Donc, ici, je n'ai rien perdu. perdu. Ici, uh, ok, j'ai passé la, la valeur absolue à l'extérieur, mais en fait uh, j'imagine que uh, si U est croissant, uh, UJ sera croissant. Si U est décroissant, UJ sera décroissant. Donc, en fait, uh, j'ai rien perdu ici en mettant la valeur absolue à l'extérieur. Et ici, ils sont des, des égalités. Ici, j'ai simplement écrit des, des égalités, donc j'ai rien perdu. L'unique point où je peux avoir, avoir perdu quelque chose est où j'ai utilisé cette inégalité, l'inégalité des Cauchy. Et alors, je me demande, euh, quand est-ce que euh, cette inégalité est optimisée Quand est-ce que l'inégalité euh, euh, devient... Une égalité donc quand x carré plus y carré est égal à 2xy et euh, je découvre que euh, ça, ça est vrai si x est égal à y donc euh, moralement ma suite uj ma suite optimale s'il existe elle doit être moralement comme ça. Elle doit respecter moralement x égale à y. Alors, je vais regarder ça. Qu'est-ce que c'est x et qu'est-ce que c'est y. x était racine w uj sur racine epsilon j. Et je vais voir quand ça est égal. À y qui était racine epsilon j fois je mets pas la valeur absolue u'j et donc en fait je trouve une équation différentielle j'arrive en fait à découvrir que ma suite optimale sera la suite optimale sera la, la solution moralement, la solution de l'équation différentielle 1 sur epsilon j racine de W UJ. Donc, ça nous donne une idée de comment construire la suite. Bien sûr, peut-être, cette, cette égalité ne sera pas vraiment rigide, c'est-à-dire euh, je fais ça asymptotiquement, donc euh, je peux avoir une erreur. Mais, moralement, UJ doit être une solution de, de cette équation différentielle. Alors, je vais étudier cette équation différentielle, ce que je découvre est que si je considère cette équation différentielle euh, avec donc j'imagine euh, que, que ça soit l'équation différentielle autour de la discontinuité. Donc j'ai ma discontinuité, je, euh, je me concentre sur une discontinuité de u. Ça c'est la discontinuité. Et donc, je suis autour de la discontinuité, moralement. Et donc, je considère cette équation différentielle avec un donnée initiale. Et par exemple, un donnée initiale peut être la valeur de la, de la fonction dans un point à l'intérieur. Par exemple, je prends un demi. J'appelle 0 la discontinuité. Ça ne change rien si, pour translation. Si, si à la place de 0, j'ai la discontinuité dans t bar, ça ne change rien. Donc, je suppose que soit 0 la discontinuité de U. Ça, c'est U. Et donc, je considère l'équation différentielle U'G égale à 1 sur epsilon j racine de W Uj. Uj de 0 par exemple, égale à 1 sur 2. Alors, euh, je découvre que si je considère cette équation différentielle, cette équation différentielle a euh, une solution unique, euh, mais je découvre aussi que les valeurs 0 et 1 sont obtenues asympt asymptotiquement. C'est-à-dire, euh, je peux étudier le comportement de, de, la, de, de, de la solution et euh, le problème est que je veux construire une, une, une approximation de u mais le fait est que si je veux résoudre directement cette équation différentielle ma solution ici ne sera jamais 0 ou 1 sera proche de 0 ou proche de 1 donc euh, ça sera asymptotiquement euh, obtenu donc euh, l'idée est que je peux pas définir euh, si je, je prends uj comme la solution de ça je peux pas définir euh, uj égale à 1 hors euh, de moins a, a. donc 1 euh, euh, égale à 1 si t est plus grand que a et uj Solution de l'équation différentielle dans moins A et 0 si T est plus petit que moins Donc ma suite UJ bar, je l'appelle, je ne peux pas la définir comme ça. Ça, ce n'est pas une bonne définition parce que ça est discontinu. Donc UJ n'est pas 0 ou 1. Donc, l'idée est de euh, considérer la solution de, ce, de cette équation, mais euh, la modifier un peu, un petit peu, pour euh, lier 0, 1 et la solution. Alors, donc. Okay. Alors, donc, on prend l'équation qui correspond à ça sans epsilon j, et après, on va l'escaler une fois qu'on va définir la, la, la suite finale. Donc, on prend l'équation différentielle v' égale à racine de w. V, et euh, V de 0 égale à 1 sur 2, euh, ça dans un, intervalle, un certain intervalle, euh... alors, bon, ok, bon, je prends cette équation différentielle partout, dans R, je sais qu'il existe une solution globale dans R, unique, maintenant je, je vais modifier cette équation. Donc, la solution de cette équation est comme ça 0, 1, moins, dans moins infini, plus infini. Et ça, ça fait 1 sur 2. Ça, c'est V. Donc, euh, l'idée est de couper V à un certain point, grand, grand, moins grand T, grand T, ou euh, mieux, euh, je, ici, ça je l'appelle moins t plus 1, t plus 1, et de faire un petit lien avec 0 ici, un lien euh, linéaire avec 0 ici et avec 1 de l'autre côté. Donc euh, je prends, j'appelle vt cette fonction, et ici, c'est euh, pas ici donc ça c'est t plus 1, ça c'est t donc je prends le lien comme ça et ici ça c'était. donc euh, moi ma fonction vt est définie sur euh, donné t vt v grand t de t est égal à v dans moins t plus 1 t moins 1. Et, et égale à euh, l'inéar. J'écris l'inéar euh, en tant que euh, ici l'inéar jusqu'à 0, ici l'inéar jusqu'à 1, euh, dans moins t plus 1... Moins T, moins T plus 1 et T moins 1 T. Ok, donc ça c'est ma VT. Et ce grand T euh, sera choisi de, de façon appropriée. Euh, grand T sera tel qu'une une certaine énergie sera petite euh, dans l'intervalle euh, T moins 1 T et moins T plus 1. Euh, moins t, moins t plus 1. Alors, comment on va définir Uj Donc, Uj de t, c'est la définie. On suppose d'avoir un, un seul point de discontinuité parce que, à nouveau, si j'ai plusieurs points de discontinuité, ils sont un nombre fini de points, je pourrais faire le même argument autour de chaque point. Donc, euh, je suppose que Uj, Uj euh, ait un seul point de discontinuité, je définis. Uh, UJ comme VT de uh, t sur epsilon J si t est plus petit que epsilon J grand T et uh, égal à uh, U autrement autrement c'est la bonne définition. Oui. OK. Donc, ça, c'est ma construction de la de séquence Donc, vous voyez, j'ai construit, j'ai résolu les questions différentielles. Donc, moralement, j'ai compris où qu'il y a où est le point, c'est-à-dire où est que je dois optimiser. J'optimise... Après, je, je me rends compte que, okay, l'optimisation, je ne peux pas l'utiliser directement, donc je dois faire un, un, une petite modification. Je fais la modification et j'applique ça euh, autour de la discontinuité, donc dans un petit intervalle epsilon g euh, t moins epsilon g t, epsilon g t. Alors, donc il reste à, à vérifier que la, la lim sup est satisfaite. Donc, qu'est-ce que c'est fuj alors, uj est égal à u, c'est-à-dire constante euh, hors de l'intervalle euh, moins epsilon jt epsilon jt. Donc euh, l'intégrale, la, la, la fonctionnelle fait 0 hors de l'intégrale moins epsilon jt epsilon jt. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur On a euh, 1 sur epsilon j W. J plus ouais. epsilon J U' J. J. Ok. Donc, euh, qu'est-ce qu'on qu qu a ici Qu'est-ce que c'est epsilon J Alors, il faut séparer les, les, les deux intégrales. Donc, euh, ça, c'est l'intégrale. Euh, donc, euh, ben, euh, je l'écris ici uj est exactement vt de T sur de t sur epsilon euh, g et ici j'ai vt prime t sur epsilon J carré et je prends la dérivée ça fait epsilon j carré donc euh, ici il faut séparer maintenant parce que euh, on peut, ch on peut ch changer la variable donc euh, en changeant la variable je trouve l'intégrale entre moins t et t de euh, w euh, vt plus vt prime carré de t. Et maintenant, je me rappelle que Vt était défini comme V, la solution de l'équation différentielle dans cet intervalle, et linéaire autrement. Donc, ça sera l'intégrale entre moins t plus 1, t moins 1 de WV plus v' carré de t, plus ce qui reste c'est à dire euh, j'écris deux fois parce que euh, on peut la prendre euh, symétrique donc euh, j'écris deux fois t moins 1 t w de, je laisse vt parce que ça c'est la transition linéaire vt' prime carré. Alors, maintenant, ça est petit si t est assez grand. Donc on peut, on peut vérifier, on peut faire le calcul, puisque vt a été construit euh, à partir de, de, de cette solution v, donc on connaît déjà v, les propriétés de v. Et on a pris une transition linéaire dans un intervalle d'amplitude 1, de, de taille 1. On peut observer que ça est petit si euh, t est assez grand. Donc ça est plus petit que un delta si t est assez grand. Et donc qu'est-ce que c'est cet autre Je me souviens que v est la solution de cette équation différentielle, donc les deux sont égaux, j'ai optimisé, les deux sont égaux, et donc ça est euh, deux fois l'intégrale moins t, t 1, de racine w, v prime, dt, et, et donc ça, c'est exactement, je, je fais exactement le même argument que, euh, ci-dessus, c'est-à-dire je définis grand G et je prends la, la, la composition de grand G avec euh, V, ça c'est V, et donc euh, ça donne deux fois l'intégrale de V moins T plus 1 V T moins 1 racine W dT. Et puisque petite V euh, et tel que à plus infini euh, tend ten vers 1 et à moins infini tend vers 0, euh, je trouve que ça, euh, pour t grand, ça converge vers W. Et donc ça termine la démonstration. Ok Alors donc on a construit la Recovery sequence, d'en démontrer la gamma convergence dans le cas dimensione euh, dimension 1, donc pour n égale à 1. Qu'est-ce qu'on peut dire? Euh, ah, euh, la remarque sur la, la, le choix de, de l'espace, d'espace métrique et de la distance. Alors, pourquoi c'est naturel considérer la, la distance euh, forte e là, et pourquoi? On a euh, choisi l'espace élan. Euh, Alors, la motivation vient de la, de, de, de l'équicompacité. Donc, euh, choix de x et de Alors, donc, on suppose de prendre une suite UJ telle euh, que la euh, uj soit bornée. Et UJ, je la prends, euh, puisque euh, grand FJ est, est borné, je, euh, je peux prendre UJ dans W en deux. Et euh, en plus, je peux supposer UJ borné. Je peux supposer UJ borné parce qu'en en fait euh, on veut appliquer l'idée d'appliquer l'équicompacité, d'avoir de, de, l'équicompacité pour euh, une suite minimisante. Et euh, donc euh, si j'ai une suite minimisante, si Uj est minimisante, alors euh, elle, elle n'est pas bornée euh, par 0 et 1, je peux la tronquer. Donc si Uj est comme ça, je peux considérer la fonction tronquée, c'est-à-dire hein, cette fonction ici. Et euh, alors cette fonction est telle que j'appelle euh, ujt la fonction tronquée. Et alors euh, l'énergie est plus petite. fj de ujt est plus petite. Parce que euh, grand W, grand, grand w euh, est plus grand si je suis de, euh, hors de 0,1. Et euh, la, si je remplace une fonction avec euh, dérivée non nulle avec une constante, euh, j'améliore, je, je, je réduis euh, la, la fonctionnelle. La, la fonctionnelle devient plus petite. Donc, euh, euh, puisque je peux faire cette opération, je peux oublier ça et euh, dire que euh, ma, ma suite UJ soit entre 0 et 1. Donc, euh, j'oublie ça. Alors, qu qu'est-ce qu que je peux dire uh, sur uh, la compacité Alors, je sais que 1 sur epsilon J W UJ plus epsilon J, U' carré est plus petit que M. Alors, euh, je peux refaire. Alors, tout d'abord, euh, il faut observer que je n'ai pas une borne, même si ma suite UJ est dans W en 2, je n'ai pas une borne uniforme dans W en 2, c'est-à-dire que la dérivée n'est pas bornée dans, dans L2. Euh, l'unique borne que je peux avoir sur... U prime G carré et M sur epsilon J. Et donc, ça tend vers plus infini, ça ne donne pas une borne uniforme euh, sur la suite UJ. Donc, ça me dit que euh, la suite UJ, même si elle est dans W1-2, elle n'est pas bornée dans W1-2. C'est-à-dire, n'est pas borné. Ça ne vient pas de, 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 de cette estimation. Donc, euh, Peut-être pour des autres raisons, on peut obtenir ça. Ça ne sera pas le cas. Mais euh, euh, en général, cette, cette borne n'implique pas euh, une borne W1-2. Donc, euh, ce n'est pas la convergence faible W1-2 euh, qu'il faut utiliser ici. Et je, vous, je vous rappelle que dans le cas de l'homogénéisation hier euh, on avait une borne comme ça dans l'homogénéisation on avait une borne du type W en P plus petit que ça et donc on pouvait travailler avec la euh, weak convergence euh, in W en P euh, mais pas avec euh, la strong donc pas avec la strong convergence euh, parce qu'on a vu euh, déjà dans LP que la borne sur la norme n'implique pas la convergence d'une sous-suite euh, en, en convergence forte. Donc si déjà n'est pas valide dans LP, euh, ne sera pas valide dans WMP Donc dans le cas de l'homogénéisation, on avait que euh, le, le borne, la borne uniforme sur, avec la norme WMP donnait la, la, la convergence. Faible. Ici, on n'a pas la borne uniforme w en 2 donc c'est un autre type de, 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 de borne qu'il faut considérer, qu'il faut, qu faut trouver. Et la borne, en fait, est celle qu'on a déjà trouvée, c'est la même estimation qu'avant, c'est-à-dire avec l'estimation étoile que j'ai créée au début. La même estimation sur l'intervalle AB donne che l'intégrale AB de euh, G'UJ, j' euh, non, g d j prime oui dt est plus petit d'une certaine constante gs, je vous rappelle, qui était euh, cette fonction. Et donc, euh, j'ai que cette euh, si je considère, j'appelle euh, vg, euh, ou j'appelle j tilde la suite g, grand G, uj, alors j'ai que sur euh, utile de j j'ai une estimation et en particulier j'ai que euh, la norme de utile de j euh, elle est l'infini en particulier l 1 est plus petit qu'une constante et que la norme de utile de prime j est plus petite qu'une constante donc ce que je trouve est que la norme de utile de J W11 est plus petit qu'une constante. Et donc, c'est ça la compacité dont on a besoin. Et malheureusement, la, la borne dans W11 euh, ne donne pas la euh, convergence faible W11. So, euh, donc, ça n'implique pas la convergence faible euh, W1-1. Ça est vrai si euh, je prends W1-P, avec P strictement plus grand que 1. Euh, pour W1-1, ça, ce n'est pas vrai. Et en fait, euh, ça, ça peut-être, euh, vous, vous allez le voir dans un cours avancé de euh, théorie de la mesure-distribution. Euh, euh, en fait, ça euh, donnerait euh, une convergence faible dans le sens des mesures. Donc, en fait, ce qu'on peut dire est que... Euh, la dérivée converge dans le sens des mesures, mais pas dans le sens W1. Ok. L'unique chose que je peux dire dans en termes de compacité qu'on a énoncé hier est que, utile de j, euh, converge. On a compacité forte fortement. On a convergence forte dans L1 euh, à sous-suite près. Et donc c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qui nous donne la compacité et c'est ça qui nous dit que c'est moralement l'espace est lent qu'il faut considérer et la convergence forte, S, est qu'il faut considérer. Et une fois qu'on qu a fait ça, puisque G est une fonction strictement croissante. Strictement croissante euh, finalement, on, a que, on peut définir euh, l'inverse euh, de U. J'écris ici. On définit U comme euh, l'inverse de U tilde. Et on a même euh, convergence euh, dominée. On a convergence L1 de notre suite initiale euh, UJ vers cette fonction U. OK, donc ça c'était... Euh, L'observation sur, sur la compacité. J'ai déjà dit qu'on peut rajouter la, le contrainte de volume. Pour le contrainte de volume, alors la gamme liminf, la, la borne inférieure est c'est pareil. Donc c'est exactement la même, la même démonstration parce que le contrainte de volume est un contraint continu et donc ça reste à la limite. Pour la borne supérieure, euh, ça c'est légèrement plus compliqué parce qu'il faut construire une suite euh, qui satisfait la borne, euh, de, la, la contrainte de volume. Et pour faire ça, en fait, il faut translater un petit peu. Donc euh, il faut corriger un petit peu la, la suite pour, pour, euh, pour satisfaire la, la contrainte de volume. Mais je ne fais pas ça, c'est une correction en fait de la démonstration. Ok, dans les euh, minutes qui restent, ok, on a l'équicompacité, l'équicoercivité, donc on peut démontrer la convergence euh, des, des valeurs minimales. Dans le temps qui reste, donc j'ai terminé la partie, euh, avec les démonstrations, la partie vraiment didactique. Et dans les minutes qui restent, je voudrais vous donner une idée des, euh, des sujets qui sont un peu plus récents. Sur le même argument. C'est-à-dire que ça, ils sont des arguments. Euh, le problème de la transition des phases euh, a été étudié par Modica et Mortola euh, dans les années 70, fin de, des années de 70. Donc c'est Modica et Mortola, 70, 77. Alors, euh, donc, euh, bien sûr, la gamme convergence peut être utilisée in beaucoup euh, d'autres problèmes. Et alors, euh, des idées sur euh, un autre problème qui est un peu, un peu plus actuel ça, ce sont les problèmes de. Euh, à discontinuité libre. En fait, un, parti, un particulier problème à discontinuité libre. Alors, donc, la, le premier, euh, la, la, la fonction, elle, en fait, c'est pareil, mais la, la, le premier exemple que je veux faire est le traitement d'image. Traitement d'image signifie que Omega, dans mon cas, est une image. Et une image est, euh, je suppose, d'avoir euh, des données, d'avoir récupéré des données par quelques outils électroniques qui me donnent une, une approximation de, de, de la vraie image un peu avec, avec un peu de bruit. Donc... Euh, quelque chose comme ça. Et alors, euh, l'idée est que, donc j'appelle G de oméga dans euh, R, l'image avec bruit, ça sera une fonction L2, ça c'est l'image avec bruit, et euh, vous pouvez l'imaginer comme un escalier de gris, donc en valeur... Euh, euh, entre 0 et une certaine valeur euh, grand M, où 0 est le blanc et grand M est le noir. Donc G donne pour chaque poids l'intensité de, de gris de l'image. Et alors, il y a un modèle euh, qui permet de, euh, de raffiner l'image, donc donner G. Comment je peux obtenir une image plus précise, l'image originelle Comment je peux retourner à l'image originelle Ça, c'est un modèle de, qui s'appelle Manford-Echa. Et il propose de minimiser une fonctionnelle grand F qui dépend de U et K, où K est un en sous-ensemble fermé. De oméga et U est une fonction lisse C1 hors de oméga. Et cette fonctionnelle est une fonctionnelle de ce type plus une constante fois la mesure euh, de K. K est un ensemble endimensionnel. Euh, Vous pouvez l'imaginer comme un ensemble endimensionnel. Donc, euh, l'idée est de définir euh, un fonctionnel qui dépend de deux quantités. Une quantité K qui est le contour de l'image et une quantité U qui est euh, la, la partie lisse de l'image, donc la partie sans discontinuité. Donc euh, U sera ici et ça ici, et K sera un ensemble euh, plus défini euh, qui représente le contour de l'image. Et alors euh, l'idée de Manforecha est de, ici je prends en termes de fidélité, parce que je veux que euh, U soit proche de, de l'image avec bruit. Et alors l'idée de Manforecha est de, de dire euh, mon image, l'image précise, peut être obtenu en minimisant cette énergie, en minimisant, en prenant la, le minimum de cette quantité. Et en particulier, donc en minimisant F, U, K, où euh, U et K sont comme ça. Donc U régulière hors des K et K fermé. Et euh, alors, donc, euh, le problème est, est à peu près le même euh, qu'on avait avec euh, Modica Mortor, avec la transition des phases. C'est-à-dire qu'une euh, fois que, oui, d'accord, euh, cette fonctionnelle peut être la bonne fonctionnelle, le problème est euh, comment faire pour travailler avec ça, pour faire des simulations avec ça. Parce que travailler avec la mesure d'un ensemble n'est pas facile. Vous pouvez même penser, d'un point de vue mathématique, démontrer l'existence. Euh, à la main d'un minimum pour ça. Si vous, a, si vous essayez d'appliquer la, 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 la stratégie qu'on appliquait tout à l'heure, c'est-à-dire uh, semi-continuité et compacité. Ici, il faut démontrer semi-continuité et compacité pour la mesure d'un ensemble. Ça, ce n'est pas du tout facile et ce n'est pas vrai en général en dimension plus grande que 2 ou si vous su supposez rien sur K. Si vous supposez que K... À euh, un, un nombre fini de composants connexes, vous êtes dans, en dimension 2, vous, vous arrivez. Mais en général, ce n'est pas vrai. Donc, en général, même d'un point de vue mathématique, ce n'est pas facile de, de travailler avec les ensembles. Donc, on évite de travailler avec les ensembles c'est mieux de travailler avec les fonctions lisses. Et alors, une possibilité, donc, il a été suggéré d'approcher cette fonctionnelle avec une fonctionnelle qui a une partie qui est à peu près la même fonctionnelle qu'on avait dans la transition de phase, et, et ça, ça sert pour, pour identifier les contours, et une autre partie qui tient en compte la partie lisse. Et je, je vous écris pour... Euh, simplement pour connaissance, quelle est cette fonctionnelle La fonctionnelle euh, dépend maintenant de deux variables une variable V qui est euh, la variable de, de la transition de phase et U qui est la variable lisse, moralement. Et l'intégrale ici est un, un intégrale plus compliqué c'est V gradient de U carré plus exactement la, la transition de phase, c'est-à-dire uh, epsilon, euh, ce, epsilon w v plus epsilon v carré. et donc uh, en fait ce qu'on fait est de considérer uh, une version variationnelle de cette énergie c'est-à-dire remplacer k avec l'ensemble des discontinuités de u et de démontrer la gamma convergence de F ε vers uh, cette fonctionnelle uh, uh, en utilisant donc, uh, les, les techniques qu'on a vues. Ok, donc ça c'est une application. Et là, là si je minimise. Uh, ici, bien sûr, je, de, je dois rajouter U moins G carré. Et là, si je minimise uh, cette énergie, ce que je trouve est une approximation uh, plutôt bonne de la vraie image. Donc, euh, j'élimine le bruit et je trouve quelque chose qui est très proche de l'image. Euh, le deuxième et dernier exemple que je voulais vous montrer est euh, l'application à la mécanique euh, de, la, de la rupture, où en fait, on utilise à peu près la, le même fonctionnel. Et ici, il y a des, des problèmes ouverts, c'est-à-dire qu'il euh, y a toujours des, des essais d'améliorer la convergence. C'est-à-dire que ça, c'est classique, c'est la convergence de Manfourchat. Mais il y a d'autres fonctionnels où on peut rajouter, où on peut prendre la dérivée ça c'est pas un carré, ou on, on peut prendre la, 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 le gradient la, les siennes de la fonction on peut considérer euh, des, des termes euh, en plus donc pour obtenir des des, euh, des approximations de plus en plus meilleures alors l'autre exemple que je fais est l'application la, à la euh, mécanique de la rupture, qui est en fait euh, un sujet sur lequel j'ai travaillé beaucoup euh, dans les dernières années. Et alors, dans la mécanique de la rupture, euh, à, au début, l'idée était d'utiliser en fait à peu près la même stratégie que pour le traitement des mages pour traiter l'évolution de la rupture. Donc ici, vous avez Omega qui est un matériau élastique. Vous avez un matériau élastique dans R2 ou R3. Vous avez des forces qui agissent sur le matériau. Et euh, l'idée est que si les forces sont euh, très fortes, à un moment donné, vous développez des, des, des ruptures, des, des, des fissures à, à l'intérieur du matériau. Et donc ici, il y a euh, toute une, une série de problèmes liés à l'industrie, à l'ingénierie, de comment prévoir la rupture dans les matériaux. Donc euh, si je vous donne un matériau, et je vous donne des, des forces, des conditions au bord, je peux imposer U, U c'est le déplacement ici, U égale à 0 sur le bord ou que des autres, des autres informations. Euh, Est-ce que je peux prévoir si F, même, dépend du temps, est-ce que je peux prévoir quand je, je vais développer des, des, des fissures et quel type de fissures je peux développer? c'est-à-dire, c'est très important de savoir si, la fissure, si les fissures sont trois fissures séparées ou si j'ai euh, un ensemble comme ça de fissures et comment elles vont développer à l'intérieur du matériau. Alors pour faire ça, en fait, on peut à peu près utiliser la, la même notation que ici. On peut utiliser la même fonctionnelle, euh, mais seulement dans des cas particuliers. C'est-à-dire que u ici devrait être une fonction de ω vers R2 ou R3. Donc la première différence ici et que les fonctions sont des fonctions vectorielles et ça change, ça, c'est vraiment une difficulté supérieure. Et en plus, on ne considère pas le gradient de la fonction mais on, on, est, euh, on suppose de travailler en élasticité linéarisée. Et donc, en particulier, on ne travaille pas avec le gradient de la fonction, mais on travaille avec le gradient symétrique de la fonction, c'est-à-dire gradient de U plus gradient de U transposé sur 2. Et, et en plus, en fait, euh, ce qu'on observe d'un point de vue euh, mécanique est que euh, si je définis la fonctionnelle f, U, comme euh, la fonctionnelle intégrale de E gradient <coughs> symétrique de U carré plus constante fois la mesure indimensionnelle de SU euh, ce qu'on observe est qu'en fait on n'est pas intéressé à minimiser à prendre les, les minima globales de la fonctionnelle mais il faudrait travailler avec les minima locales, donc, locaux donc donc euh, en particulier on est intéressé aux points critiques de f donc il y a plusieurs points qui sont bien plus difficiles dans ce cadre donc la, la première chose est qu'en fait on devrait euh, travailler avec les minima les minima lo locaux. La deuxième chose est que en fait on travaille avec des fonctions vectorielles. Et la dernière chose est que en fait on a des problèmes, des problèmes évolutifs. Donc on a le temps, c'est-à-dire qu'ici, il faudrait ajouter quelques termes ou mettre des conditions du type u égale à un certain g de t sur le bord d'oméga par exemple. Donc euh, ici notre fonction dépend du temps de x et de t Ce sont des fonctions qui dépendent de x et de t. Et donc euh, il y a une série de, de problèmes ouverts sous cet argument. Euh, qu'on qu on, qu on peut traiter. Donc le, le, le sujet ici est, est très ouvert. Et, ou même on peut considérer des matériaux qui ne sont pas homogènes, qui sont des matériaux hétérogènes. Et, ou on peut considérer la dynamique des matériaux. Et donc euh, bon, euh, je pense que comme ça, ça, ça pour dire qu'il y a beaucoup de problèmes qui, qui sont liés à ça et qui, qui peuvent être traités traité dans, dans le même cadre mais qui sont encore toujours ouvertes. Okay, bien sûr, ça, on utilise euh, ce qu'on sait faire, euh, on, on le sait faire pour les minima globaux et en utilisant euh, la, 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 la convergence avec des fonctionnels de ce type mais avec euh, des, des fonctions vectorielle donc avec le gradient symétrique à la place du gradient de u et pour le reste pour les, chacun de ce problème on a des résultats partiels mais euh, ne sont pas complets ok je vous remercie pour l'attention et moi j'ai une question. Donc les problèmes que tu as présentés aujourd'hui, c'est la régularisation de... Enfin, tu, tu veux optimiser une fonctionnelle F avec euh, la mesure euh, d'ensemble mm -hmm. et tu passes par la régularisation, un problème régularisé mm -hmm. Euh, donc, ce qui, le terme avec W, c'est ce qui représente euh, l'ensemble. Et le terme U', c'est un terme qui est là pour pénaliser les fonctions trop discontinues. Oui. C'est ça. Et euh, tous les exemples aujourd'hui, c'était des pénalisations U'. carré. Oui. Et est-ce qu'on peut pénaliser autrement, ou, par exemple, le, le problème de transition de phase, ou est-ce que vraiment cette pénalisation-là est, est celle qui s'impose Alors, euh, donc. Euh pour euh, obtenir... Non, on peut bien sûr pénaliser autre chose, mais euh, ça me semble difficile qu'on que peut passer d'autre chose que la dérivée. Donc, euh, peut-être on peut prendre euh, une dérivée d'ordre supérieur ou quelque chose qui dépend de la dérivée. Oui, oui, ça a, a déjà été, a été étudié dans des cas particuliers. Et, oui pas pa par exemple en rapport avec le mini cours d'hier, euh, on peut essayer de faire des euh, régularisations et travailler dans W1P comme dans l'homogénéisation ou et, en fait euh, donc non en fait ça c'est pas possible et parce que c'est la motivation c'est ici parce que si on, on a une borne W1P uniforme, on a une sous-suite qui converge euh, W1P Faible et donc euh, la limite n'a pas de discontinuité, moralement. Donc, déjà en dimension 1, euh, la limite est continue. En dimension supérieure, elle n'est pas continue, mais elle est Sobolev. Sobolev signifie qu'elle n'est pas discontinue. Et, par contre, euh, là, le fait d'avoir une, une borne W11 nous donne, en utilisant la théorie de distribution, une limite dans le sens des mesures. Et la mesure peut être la mesure euh, concentrée sur un ensemble. Euh, des dimension 1. Donc c'est ça l'idée. D'accord, donc ce qu'on peut faire c'est dériver plus mais toujours au carré. Oui, le, le fait de balancer, c'est-à-dire le fait est qu'on peut mettre des termes différents mais une fois qu'on balance, là, quand on optimise, on balance, et il faut avoir quelque chose qui dégénère. Mm. Et le le cœur, c'est-à-dire la Cauchy, ce que j'utilisais là. Était qu'en fait, euh, j'ai une, qu une borne L1, donc un borne, une borne dégénérée, et ça ne permet pas de dire que j'ai de la continuité, j'ai quelque chose de moins. Et donc, ça, pour avoir des ensembles, euh, des de bords, pour, pour obtenir des bords, il faut avoir quelque chose qui dégénère. Merci. D'autres questions Moi, ma question, ça concernait plutôt les ensembles de départ et d'arrivée. C'était pour savoir si ça se faisait aussi sur des variétés et concernant les mesures, parce que j'imagine que c'est tout de suite plus compliqué si on a des résultats là-dessus ou pas. Euh, oui, oui, il y a des résultats, il y a une théorie sur les espaces métriques des mesures, euh, tout ça. Et oui, 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 il y a, um, par exemple, on peut considérer des cas où la fonction U est um, limitée à avoir des de valeurs sur une, une sphère. Donc euh, oui, on peut considérer Il faut euh, manipuler un peu, il faut donner un sens à tout ça, parce qu'il faut avoir donner un sens aux espaces relève sur des variétés et tout ça. Mais euh, l'idée est que si tu peux faire des, des changements, des variables, en fait, à peu près tu peux le faire. Si tu n'as pas une variété dégénérée, une variété trop, trop mauvaise, tu peux le faire. Oui, il y a des résultats de récents, je crois de, de, euh, il y a un an, une année, deux, deux années, quelque chose comme ça et, et sont quand même des résultats partiels parce que c'est pas pas du tout facile. Merci. Dernière mmh. question je propose de, de remercier <laughs> de remercier encore pour n'importe très <laughs> bien.